Faisait froid au matin de cette 52e édition du Headwalk. Nous sommes le 28 février 1998. Le départ est donné à Gand. L'arrivée à Lokeren, des secteurs pavés et 11 monts. Après une échappée matinale, ces monts ont permis à 7 coureurs de partir à 40 km de l'arrivée à Lokeren. On a donc devant Bortolami de la Festina, deuxième de Paris-Roubaix 96 et cinquième du Ronde 95. Stuart O'Grady, l'Australien de la Ganne, septième de Gant-Wevelgem. Andriette Schmid de l'Auto. Paris-Tour 97 à son palmarès. Paris-Roubaix 94 ou l'E3 94. Max Van Eswijk de la Rabobank. Johan Museeuw, vainqueur du Ronde 95 de Paris-Roubaix 96 et Kuurne-Bruxelles-Kuurne 97. Le tenant du titre, Peter Van Peteghem. Et le moins connu de tous, Pizix de la Rosloto. Derrière, on avait un peloton de 17 coureurs, avec notamment le champion du monde Laurent Brochard ou encore Frank Vandenbroek, qu'on avait vu offensif sur le Molenberg un peu plus tôt dans la course. À 25 km de l'arrivée, l'écart est monté à 1,25 en faveur des 7 coureurs de tête, alors que vous voyez que très bien qu'à l'avant de la course, on s'entend parfaitement, puisqu'il faut résister à un peloton lancé à vive allure, mais rester encore deux secteurs pavés à 16 km de l'arrivée. Dans ce premier secteur pavé, on va continuer à collaborer. Vous voyez ici Stuart O'Grady avec son dossard 145. Mais c'est surtout dans le dernier secteur pavé de la journée, à 10 km de la ligne d'arrivée, qu'on va voir attaquer Peter Van Peteghem. Le coureur de la TVM a surpris tout le monde à 28 ans. Il fonce vers un second succès consécutif sur ce Umlaut et Volk. Avec son dossard 11, le coureur de la TVM va creuser une belle avance à 5 km de l'arrivée. Il avait 30 secondes, ensuite il va un petit peu faiblir parce que derrière il fallait du temps pour que la poursuite s'organise. Et le Belge va quand même très bien résister aux 6 poursuivants. Et donc Van Peteghem va s'imposer après près de 5 heures de selle. Il va devancer de 12 secondes Bortolami de la Festina qui est parti un peu en chasse derrière. À 12 secondes, et enfin Schmil, que vous allez voir après le passage du coureur de la Festina, qui va régler au sprint Van Eswijk pour la troisième place à 15 secondes, tandis que le peloton des autres coureurs a fini à plus de 2 minutes. Voici donc le top 10 de ce Umlaut et Volk 98, et deuxième victoire de suite pour Peter Van Peteghem. Ciao tout le monde.